Agario. Deux teams Helio. Et là, les décaféinés jouent contre les gagnants du match qui va arriver. Ah, j'ai dit une connerie tout à l'heure. Attends. Il me semble que c'est ça, vérifier. En tout cas, ils sont chauds. Bah, il y a un combat qui est lancé. Effectivement, là. Effectivement, ouais. Les pédophiles versus Agario. Avec Zut. Ah, mais Zut, je le connais, Zut. Bah, c'est le SRAM. C'est le SRAM du LET. Hein. Le mais, SRAM. Mais là, c'est un Sadie. Non, c'est Anf, le SRAM du LET. Anf, c'est le SRAM du LET. Et oui. Hul, c'est le Sadie, effectivement. C'est et ça. Le match, bah, il vient de se lancer à l'instant. Bah, du coup, Eti, on va bouger tout de suite. Oui, j'ai déjà rejoint. Ah mais moi alors, aussi je rejoins avant vous. Allez, bah, du coup je vais mettre les équipes à jour. On a Casual Gaming en rouge. En rouge. Là. Alors je suis moins rapide que Panta là-dessus. Oh, pom, 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 pom. Alors ton niveau initiative ça donne quoi là? Lieu avec très peu de vie. Oui, bah oui, quoi. Il a pris des retours, hein, c'est pas possible. Ah non, il a juste pris une herbe folle. Il a dû mettre full carac, il a dit allez. Désolé, le combat d'avant il m'a un peu saoulé, je pars au stade, je reviens les gars. Oh Papy Rambo, oh j'adore son pseudo. Oh Papy Rambo. Ah c'est tellement guerrier. Allez, c'est parti, middle. Middle, faites votre coach par tour 1. Ça booste le yop. Une question, il y avait des restrictions de compo pour le Jive Arena ou pas? Non, c'était plié. C'était plié. D'accord, parce que c'est quand même bizarre leur compo Ossa, yop et Lioeni. Enfin, je vais me dire... Oh, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Tu veux rire? C'est une des classiques. Ouais, bah c'est la même compo qu'avant qu'on fout. Il y a l'ennu à la place du panda quoi. Mmh. Ah non, il osa à la place de l'ennu aussi. C'est la compo de la team Helio. Des 4, je crois. Des 4 par exemple. Ouais. Apparemment, les équipes sont à jour. Alors je vais te dire ça. Non. Bah attends que ça se mette à jour, ça va bien. Hola Moxand, hola! Hola! Tu nous rejoins pour un combat qui ira normalement assez vite, t'as de la chance. T'as double roulette là, vu comment Doppel il est parti de l'autre côté, c'est bon, ça va. Oh, allez, ça cupie, c'est bon, allez, c'est bon, c'est parti. Retraite? Cupie retraite. What? Cupie retraite. Ah, si, c'est bon, ils vont ils vont placer leur portail malgré tout là. Sans aucun problème, qu'est-ce qu'ils peuvent faire côté draft pour l'éviter? Ça dit quoi? Non, il faut mettre un répu. Tournoi. Plus sur noir, il va y avoir une fraction aussi. Enfin, la fraction là, attends, 1, 2, 1, 2, ouais, mais bah, il y aura pas sur les cas. Bah, il t'apprend en épée diop, hein. Ça sera encore pire. Ouais, tu vas me dire. Encore pire. Vous êtes pour qui, vous, du coup, dans ce combat? Bah, pour moi, je pense que les cas du gaming, voilà, on est en avantage, mais je vais être pour les drafts. Parce que j'aime bien les compos outsider. Odyssée. Ah, oula, dommage. Voilà, elle aurait pu très bien placer, c'est ce que je disais, voilà. Ouais, c'était comme bien ça qu'on bloque. Du coup, la retraite est complètement. Foirée. Du coup, ils ont niqué leur tour de burst. Dommage. Ouais, ils peuvent recommencer tour 3, mais. Ouais. Mais bon, là, il y a un Sadi, un Ekel, un Sadi. Bah après, regarde où sont les portails. Portail 3 et 4, si ça va. Il va y avoir une coop là. Une tour 3. Donc là, tour 3, il est loin. Hein. Le Sacri joue en deuxième. Enfin, quatrième. En deuxième. Donc loin dans la timeline. Du coup, on sent notre ami le chevalier noir bien embêté. On a son Doppel, on va charger un truc peut-être. Ah non, il a rien à charger d'ailleurs.
aussi la destin. Il a assuré la destin, effectivement. Rue sacrée, à mon avis, il va invoquer la rue Crafter. Un doppel, une épée peut-être. Déjà châti T1, châti osé. Une douleur, ouais. Mais du coup il met pas le doppel s'il a fait douleur. Voilà. Un crackler, on invoque ce qu'on peut. Hein. Il va faire un crapaud, on va pas qu'il meure tout de suite. Il va aller quoi sur, sur les kawattes. Bah il a pas d'autre cible, sauf s'il y a les PA. Allez middle de PA. Non, on a mis PA au Yop. Et qu'est-ce flip. Il y a au big boss. Oh, il a une voie de chance ce coup-ci. On continue à se booster. On va avoir Papy Rambo qui va sortir de Faudora. Se manger. Oh, mais ça peur de rien là. Du coup ça voulait répondre. Toi t'as raté ton tour de burst, moi je vais pas le rater le mien. Bah ouais, l'ennemi va rien pouvoir faire là, hein. Pas de corrup, rien. C'est ça. Il est... Là c'est une coop au prochain tour. Hein. Prochain tour coop et les cas le sera coupé. Il y a un début de réseau en prime. On a vu un ou deux mortels je crois. Aïe. Ah dommage. On a Moxan qui va dans la shieldbox. Il y a une coop là, ça devrait pas trop se toucher. Et ben effectivement, ça se touche pas. Allez, Anf. Anf, on le rappelle, c'est le fameux SRAM dont Master était tombé amoureux en quart de finale. Quart de finale ? Ah oui, moi je connais pas ça, moi. Non, mais en commentaire, il est dernier Goutard. Hein. Ah, d'accord. Il était tombé en extase devant la finale d'Ilette, notamment sur le combat d'Anf. Et il est très bien su renverser de la vapeur. Avec un très joli réseau, on s'en souvient. À nouveau un répu. Il a pas beaucoup de points de vie, Stelio. C'est pas très touché encore spécialement, mais. Il est peut-être plein d'item de classe. Il est full air et ouais, il a la ceinture classe, je pense. Encore un répu bien placé. La folle, elle va faire très mal. Sur ses 37 esquives PA là. Il n'y a même pas besoin de. Il y a même pas besoin de coop, hein. Ah si quand même. Alors il a mis son portail ici. Peut-être que c'est. Bon je te dis que l'IB peut se casser, hein, tu vas me dire. Franchement c'est, ouais. c'était bien joué de la part de Rank, mais c'est dommage pour si l'IB il tue ça surpuit. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, hein. Entre tuer la surpie ou. Enfin, entre surpie ou moi, je préfère moi, quoi. Pour. Non, mais. What? Oh, il va débuffer, hein. Oh non, oh tristesse. Ah, ça joue bien jusqu'au bout, hein. Et ça repart, wow. Ça repart, moins 4 PM. Sur 70 esquives, quand même. Et là, il dit non, mais t'inquiète, hein, j'ai 120 retraits PM. Hein. Non, je suis sûr de pas 120 retraits PM, hein. C'est pas possible. Par contre, il y a la zone EPG hop, avec la gonfle de l'EK. Et hop, toujours le choper. Il y a le sacré devant les cases. Il est boost, il est. Il y a que ça à faire, tu me diras, mais. Ouais, il est tout triste, il dit qu'est-ce que je fais. Je suis plus boost. Il faut dire, il a un tour encore, il a un tour pour. Il faut qu'il tienne un tour. Prochain tour, il aura la destin et la coco. Mais attends, pourquoi il prend pas de dégâts, je comprends pas. C'est le sacré qui est un vie. Non, mais les cas. Parce qu'il a.
il a fait pression. Ah oui, après il y a la dernière fois, il y a Pediop, ok d'accord. Pression, pression et Pediop. Oh, et le sacré qui est quand même mal en point. 3500 sur 4004. Ah bon, ça continue. Deux fois, moi aussi, je peux mettre une couche, t'as vu. Allez, moi, un PM du Doppel. Doppel qui a fait quand même 200 dégâts quand même sur 42% là. Ah, c'est le prochain tour où tout va jouer, hein. Si jamais ils arrivent à faire la cop et à. C'est et maintenant, à faire le c'est maintenant. C'est ça. Bah, il faut absolument que. Il faut soit les drafts prennent l'avantage maintenant, soit prochain tour il y a un mort avec la corrup. Mais là, ils vont tomber les lieux, hein, je pense. Il a que 3005. Ah, yeah. Non, les duos. Il va re-rentrer avec les marques. Les duos avec une Axel ou autre, ils auraient toujours pu placer la. Ouais, mais les gars et le Scram sont boostés PA, ils jouent avant. Avant les lieux. Bon, les lieux, il y a possible. Mais... Ok, qui a fait PA, qui reste sur le portail du coup. Le ça. Il est complètement isolé après la Libé. Après, il faut faire grand chose, c'est prendre un portail. Mais non, il est bloqué. Le portail, ça sert à rien. Faut que c'est qu'il reste dessus du coup. Donner le PM à son ennemi, peut-être. Tac. Tac, ouais. Soi-même. Ouais. Et on tape ce qu'on peut, on tape zut. 30%. 3000 points de vie, 2007. Pas suffisant. Et surtout, on s'expose, on se met à côté d'un portail pour après. 2. Bon, là, les cas, il va s'amuser. Bon. Même plus. Bah, il casse rame, hein. Ouais. Les nuits, il va rien pouvoir faire, il a claqué l'accès avant. À part un type, mais non, il a même pas la PO. Avec la full boost. Si, vraiment tu full boost là. Et il ronge son front là, le crackler qui veut pas passer, il a peur. 570 puissance, les gars. 570 puissance. Allez, combien de points de vie? Hop, 4002 pour commencer. Bon, allez, bon, en prime. Ouais, c'est bon, allez! Là, à mon avis. Et un réflexe. Et un deuxième. Deux. Allez, deux bluffs, un tort, on n'en parle plus. Ah, un shérif. Un coup d'achérif, mon régulier, wow. Julien. Hein. L'esprit félin à 782. Alors, il est où le coup des tirs. Le petit dopi. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Oh, bah, il y a la PM pour aider à les types, hein, quand même. Dans tous les cas, il l'avait. Ouais, mais c'est pour aider aussi le SRAM à venir taper à Tapelio, quoi. Le SRAM, il est en 16-7. Hein. Ouais. Non, il tombe. Il le tue avec un bon équipe. A voir. Allez, Papy Rambo. T'as plus ton sac. Pote de Pandore. T'as même plus que ça. T'as tout ce que tu peux. Un tout petit équipe à 800. Allez, t'as récupéré 1000 PV. On va voir si ça suffit. Je pense que ça suffit. Hein. 2000 sur un Strav. Ça dit corrup en tout cas. Il a posé des mortels. Hein. Mais par contre, regarde, si là c'est le tout pour le tout. Hein. S'il tombe pas, ça dit corrup. Il y a Lelio et Eliop qui sont prêts pour les portails. Hein. Il ne tombe pas. Hein. Attaque mortelle à un CC à Chéri. Arnac, il ne tombe pas. Ouais, putain. Bah du coup. Ah, mais ouais. Si, on va y croire, il n'y a pas de réplique. Ah, poisse. La poisse, mais ce sera pas suffisant. Aïe. Ah, bah du coup, il y a un mort chez eux, quoi. Putain, c'est pour le petit tour là des deux côtés. Ouais, mais attends, il peut y avoir. Non, faut pas qu'il fasse plus qu'un mort. C'est un beau faire un mort derrière. Pourquoi il faudrait qu'il fasse plus qu'un mort? Je comprends pas. Parce que derrière le yacht tombe aussi et ce n'est pas suffisant pour prendre l'avantage. Ouais. Ils jouent en ennemi, Elio. Il n'y a plus de tapeur après, à part les duos. Il faut qu'il prenne la zone des Pédiop, combien il a de... Non, mais il faut qu'il brimade le sacré déjà. Ouais, parce que le sacré il est sur le portail. Oh putain, il y a un 4 secondes, il aura pas le temps. Mais si, allez. Qu'est-ce que... Bah non. Il a oublié le sacré qui était sur le portail ou... Ouais, je pense. Vas-y, bah qu'est-ce qui se passe? Oui. Oh, ouais. Bah du coup, la coco. Mais j'ai pas compris là, j'ai pas compris. Ah, va y avoir un souffle de coco qui vient voir. Ah, voilà. Ouais, coco précis. Ouais. Ah, ouais, allez, précis. Type A. Il fait un mort, séant, mais ce sera pas forcément. Ouais.
22 points de vie. Oh tristesse. Ouais, mais derrière il y a un mort aussi, hein. Regarde le sacré. Le sacré, tu le yop. Tu le yop, hein. Allez, je vais faire le portail, pareil. Attends, quand il sort du. Oui, c'est bon, il est sur le 3. Ouais, furie, de furie, voilà. Une, deux. Bye bye. Ouais, si, c'est pas perdu, hein. D'un côté ni de l'autre. Il y a toujours le ça. C'est un colis, là. Ouais, mais le ça, t'as vu où il joue. Il y a un tour complet après le yop. Après, ils ont enlevé un spam. Le match dealer en moins. Toujours sacré, les gars. Mais il y a un éca. Ouais. Alors, on va lock le Samodas. On aura vraiment eu des matchs difficiles ce soir, dans le sens où vraiment tendu jusqu'au bout, où chaque équipe veut emporter la victoire. Après, niveau PV, c'est avantage au rouge là, mais bon, je crois que ça va vite descendre parce qu'ils ont pas trop de damage dealer alors qu'ils ont un éca quoi. Dans un tour, on jamais en parle c'est PV, ça va pas dire grand chose. Ouais, en plus, il y a une ouverture portail sur le sale éca là, oh là là. Dans le 4, pas sorti du 2. L'Ossa joue avant. Il joue là, il va se décaler. Ouais, c'est vrai. Il va sanglier. Il va se mettre derrière le sacré. Non. Ouais. Voilà. Il y a toujours la zone Remaps du coup. Il prend un petit peu de dommage aussi. Hein. Van Vogt, t'es pas bien. Hein. Ouais. 2300 points de vie, il avait bien pris de l'érosion au début. CPA. Rentre dans le portail si tu veux vraiment aller focus. 50 votre PA. Une petite. Un bug de masse. Ça peut faire tuer le bouffe tout. Alors ça a tapé sur quoi? Sur les nus du coup. Ouais. Peut-être une destin, ça va le ramener. Ouais. Non. Peut-être destin, ça le ramène là. Ouais, ouais. Enfin non, je crois pas en fait. Mais si. Ah, ça le pousse. Ouais, ça le ramène dans le portail, ça le pousse un peu. Ça attire avant le destin, et ensuite ça pousse. Un chute. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui va se passer? Bam, 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 bam. Alors, maladresse. Petite malade masse. Ouais, 9, il te reste 9 PABB. Hein. Non. Ah, ça tape, hein. Ah, il tape, hein. Qu'est-ce qu'il essaye de descendre sur ça. Ça crée mort là, non? Attends, je pense pas. Hein. Bah, attends, avec les portails et. Ah, cactus, si, s'il en bouge un, s'il en bouge un seul. Ouais. C'est ça. En gros, mais après, il faudrait que la redire va forcément partir dans le 2, c'est bon. En plus, il est full air. Voilà, c'est bon, allez hop. Allez, bye bye, sacré du coup. Hein. Non. Oh, si. Non, ah, 2 PA. Reste 2 PA. Oh, tristesse. Là, on va avoir un Groot, une fraction. Ah, bien joué. Putain, bien joué. Mais il a quand même beaucoup de fuite, hein, le Sadie. Le Sadie, ouais. Attends. Groot, ouais. À récupérer 600 points de vie, même pas. Il y a combien de Vitamax là, le 3200? Il a plus cher. Ouais, ça va pas faire un gros son non plus, hein, mais bon, ouais, c'est déjà ça, quoi, tu vas me dire. 400. Hein. C'est bon à prendre à ce niveau-là. La folle. La folle aurait dû être sortie plus tôt, je pense. Bah, plutôt pour. Ouais, non, bof. L'Hélio, il a 37 esquive PA. Ça aurait été moins 3 quasiment tout le temps. Ouais. Ouais, mais tous leurs tours ont été utiles, hein. Ouais. Il a pas gaspillé de PA. Non, jamais. Allez, c'est parti, donc allez, Van Gogh, là. Bon, tu vas remonter à 1000 PV, je pense. Un peu plus, même. Bah, il a quoi, les 10 sauts. Allez, 1000 PV, c'est ça. Kill 2. Il va rentrer en portail. Ouais. Et il va rester, je pense. Ouais, s'il fait ça... Il rentre et il reste. Ouais, mais s'il reste, vite fait, quoi. Bah, le ça a pas de... Il a pas de ligne de vue, là, pour le portail. Il manque un PM. Non, mais du coup, les canons plus.
Les caps, bah, pour les taper, ni le... Si les caps, ils rentrent dans le portail, ils peuvent les taper l'ossa. Enfin, il a frappé, moi. Bah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Attends, la frappe de crack, elle passe pas, là? Mais si, elle passe, là. Ah, c'est 2 PO, ouais, c'est 2 PO. C'est 2 PO, ouais, mais par passe. Contre, après, il prenait cher avec, avec les caps. Avec quoi. Les caps. Allez, ça ressuscite le yop là. Ouais, il a 700 points de vie. Ah, ah ouais, tout pour le 3. 1500 PV là, oh là là, il peut tomber tout de suite, hein. Il tire avec des cas, bah. Non, c'est pareil compliqué. Un contre-trapper encore. Ils sont fans de cette roulette, hein. Clairement fans. Chance. Chance le sacré, ouais. Allez, ça rentre. Je vais essayer de le tuer. Il va lui PA, non. C'est un point de monsieur. Oula. Merci. Il est nul. Ouais, mais que vas-tu faire, hein? Ouais. Ouais, ça, j'allais dire, bouge les cas, quoi. Et là, ça bougeait donc. Ouais. Ah mais pourquoi t'as fait ça? Ouf, voilà. C'est ce que avec tu la roulette, ça prend de retrait. Avec la roulette, ouais. Ouais. Forcément. Non, c'est plus de 3. Allez. Ouais, bah du coup, le sacré va tomber à coup sûr, hein. Non, il est chance, là, pour l'instant. Il est chance, le sacré? Ouais. Ouais. Pas un temps. Qui a fait les yeux là du coup? Il y a des tacles là. Hop, un petit va-et-vient. Il y a pas de cas du coup. Ouais. Moi j'aurais fait, tu sais, le sort qui donne moins 78 là. Ouais, c'est pas bien quand même. Ouais, il est taclé quasiment full déjà. Ouais, bah là il rentre dans le portail. Ouais, tu vas me dire. Ah, il atterrit devant le. Il atterrit dans le 4, juste devant l'écart. Mais le Yop, il a juste un bond devant. À côté du Sadi, là, pour avoir le portail. Et il tue les cas. Hein. S'il y a rien. Une bloqueuse. Ah, voilà. C'est bon, c'est bien joué ça. Enfin, non. Avec un souffle, ça passe aussi. Voilà, c'est bon. On va tenter le bon précis, le tout pour le tout. Ah, il peut pas précis. Il peut pas précis. Ouais. Bah, bon coco, un tir. Je sais pas. Bon. Puissance. Ah, caca. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Ah, CC. Un CC. Si ça CC pas, ça passe pas. Hein. Ouais. Allez, un CC. Là, il lance stress. Et oh, sacrifice. Là, sacrifice. 31. Oh non. Oh la tristesse. Mais non. Entre le 22 PV du SRAM et le 31 PV de l'EK. Oh là là, il est pas gâté. Hein. Oh, le Yop, il est pas gâté là avec sa panneur de D2 là. Oh, il est pas content, hein. Ouais, il va y avoir un sacrifice là. Ouais, mais regarde, finalement, c'est le sacrifice qui tombera. Ouais. Ouais. C'est que le Yop va retomber derrière tout de suite. Le ça, il peut faire quoi là? Bah, Dopu. Mais Dopu sur quoi? Je sais pas, il va trouver. Sur les cas, il peut mettre un corporage, rien qu'un corporage, ça suffit. Ah bah il peut plus là. Hein. Ah ouais, c'est triste. Ah mais du coup l'équipe peut pas tuer le Yop. Ils vont essayer de tuer l'Hélio. Il va le perdre des buffs. Ah mais regarde. Allez dragon, va dans le portail s'il te plaît. Donne lui des PA, donne lui des PA, on sait jamais, donne lui des PA. Il voilà. Va y aller. Ah les cas il tombe. Il a pile poil les PM. Voilà, voilà, ok. Voilà. Ok, bon. Attends, on est où là? Ah boum, oh il est excité le chevalier là, oh là là, ah, il est content là. On est en 2v2, 3v3 avec la résu, 3v2 avec la résu, pardon. Ah il y a, mais le chevalier pour retomber. Non. Qu'est-ce que j'ai, on est en 4, non, t'es en 4v2. 4v2, enfin 3 plus 1v2 quoi. Ouais, 3 plus 1v2, putain, c'est un peu compliqué là, niveau mathématique. 3 plus 1v2. Ça va être compliqué de le tomber là. T'inquiète pas, c'est pas un bac. Le sacré va mourir. Ouais.
Ah bah sûrement. Oh elle est cheap. Patrick va mourir. Bah il est full vie là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Oh il se prépare à critiquer et tout, jusqu'à que qu'on te rappelle là, c'est bon, il est full vie. Allez. Allez. Ah plus de sacré. Écrasant peut-être. Oh, ce serait dommage, ça mérite pas une écrasante. Ça mérite pas une écrasante. Je te jure, c'est. Non, 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 il y aura pas d'écrasante, ça mérite pas une écrasante. Vraiment. Ouais, il y en aura une. Ils sont partis pour là. Non, ça, ça mérite pas. Oh là là. C'est bien joué. Ah, c'est bien joué des deux côtés. Hein. Ah, mais KO pourtant, bien... pourtant les drafts ont vraiment bien joué leur, leur match. Hein. Non, mais clairement, il n'y a rien à dire sur leur match. Ils ont fait les tours qu'il fallait. C'était juste qu'au final, peut-être qu'au niveau des compos, c'était peut-être déséquilibré, mais ils ont fait leur match, quoi. Quand a été le tournant? Quand est-ce que ça a été le tournant, FU? Quand est-ce qu'ils ont été vraiment mal? Quatrième tour? Non, il n'y avait pas de tournant. Il n'y avait pas de tournant. C'est juste que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment vu le tournant. Peut-être le tournant, à la limite, c'était vraiment le tout pour le tout de jouer la corrupe sur le Sadi, quoi. C'est ça pour moi le tournant du match, mais. Ah, bon, c'est quand les cas, quand les cas n'a pas, quand les cas n'ont pas réussi à terminer. Il y a eu zéro crit, je crois. Ouais. Est-ce qu'ils auraient pu faire ça autrement, différemment, faire mieux? Je sais pas. Faudrait que j'envoie le replay. On perd parce que tu te cours à 3 minutes du combat. XD. Ok, d'accord. Que dalle. Oh là là. Et ça parle à qui? Ça parle à son éco. OZF, c'est fun. GG. Ouais. Ah bah là, il faut le crit. Bah forcément, c'est la fin. Comme moi. Ouais, je pense que c'est le plus moche de la soirée. Hein. Dommage de la soirée, franchement. Non, non, mais vraiment, parce que celui-là il était beau, en plus il est propre, là il va durer 30 minutes. Même pas, ouais, si, 30. Le temps qu'ils apprécient leur victoire, tu vois, tranquille. Du coup, je suis content, les deux teams organisent. Un kill sur le cerf, oh là là, en middle. Non, mais vraiment, c'est vraiment bien joué. Hein. Ça fait 1-1 pour l'Orga et Ulette. Effectivement, ce soir il y avait. Donc il y a deux teams d'organisateurs et deux teams d'Ulette, et donc les Agario passent et les Casual Gaming passent. Un partout. Et donc les Casual Gaming seront opposés en demi-finale. Mange, c'est pour les deux. Décaféiné. Je pense que le Yop a dû taper sur le. Et ce combat là c'est déjà fait. Casual Gaming comme décaféiné, c'est déjà fait en phase de poule. Et c'est les décaféinés qui ont gagné. C'était le dernier match de poule, je crois. Effectivement, bah...